Salut Eric, c'est un signe pour nos amis de la Franco-Belge. Oui, c'est ça, oui. D'accord, donc c'est en fait un grand bonjour pour Pierre Tassot alors. Et c'est ça, tu vois. Voilà. Ah, d'accord. Ok, merci. Salut Pierre. Je lui passe le bonjour. Je pense que ça doit être, voilà, par là. Là se trouve le festival. C'est pas de ma faute. Par là-bas, j'ai se trouvent les baleines. Ouais, voilà. Voilà. Ça, là, nous avons nos potes dessinateurs qui sont là. C'est lui qui va prendre la décision. Voilà. Vous voyez un petit peu. Bon, ça change un peu du sud de la France, évidemment, par rapport au dernier reportage au bord de la piscine. Voilà. Et voilà, ça, c'est un petit bout de nature norvégienne. On se revoit tout à l'heure pour le festival. Johan, qu'est-ce que tu penses de cette beauté norvégienne? Eh bien, elle est fort bien équilibrée, elle sent bon et un peu le poisson. Et dis-moi, et un Spirou en Norvège? Bah, j'adorerais. Tu adorerais faire ça? Spirou contre les trolls, un truc comme ça, quoi. Et un choc en Norvège. J'ai décidé de l'appeler Toto. Oh, excellent. Mais d'ailleurs choc est un troll. Hein, faut pas le dire, mais c'est un troll. On va pas soulever le masque tout de suite. Non, c'est ça. Ça fait difficile quand choc arrive, ça sent un peu le chien mouillé. C'est comme ça qu'on reconnaît que c'est un troll. Et puis quand il tombe, c'est un choc à pic. Troll norvégien. Johan, un petit commentaire. Parfait sur la page de la franco-belge. Un troll pour les franco-belges. Attends, on a juste l'impression. Eh ben, yo, regarde ça. Bonne, choc et le troll. Ah, un endroit qui est apparemment interdit aux sorcières. Oui. Bizarre. Bon, il pleut, ça, on s'en douter. Les sorciers, oui, mais les sorcières en balai, non. C'est ça. Eric, on attend tous évidemment le choc numéro 2. Ouais. Le 1 a vraiment été un énorme choc, évidemment. Ouais. Oui, talent. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Il arrive quand, ce choc 2? Bah écoute, il est terminé, donc le dessin est fini. Maintenant, bon, bah, le temps de terminer les couleurs, de faire la publication dans Spirou. Normalement, je pense pour février, probablement. En février 2016. Ouais. Et mon petit doigt m'a dit qu'il y aurait un choc 3, alors. Mais oui, parce qu'en fait, au départ, on avait prévu de faire un album de 300 pages. Et l'éditeur avait envie de faire plutôt 2 tomes que 3 tomes. Donc, on avait pensé pouvoir condenser toute l'histoire sur 200 pages. Et bon, ben, on n'y est pas arrivé en fait. C'est pas possible, il y a des séquences trop importantes à supprimer et ça me faisait mal au cœur. Donc on a parlé avec l'éditeur et vu le succès du premier, ben, c'est ok, on va faire un troisième tome. Donc l'histoire sera entière, respectée et voilà, 3 tomes de 86 pages. Donc, alors, je commence le mois prochain le troisième tome. Alors la question qui tue évidemment, choc 4. Non, on n'a rien de prévu, hein, parce qu'on boucle en fait les 3 tomes, et en principe après ça, Stéphane et moi, on va chacun de notre côté travailler sur un projet qu'on a indépendamment. Mais bon, rien n'interdit éventuellement de revenir sur un 4e tome, mais ce serait une autre histoire. Quoi. D'accord, donc tu as des envies de faire autre chose après Choc? Ben, j'ai un projet en suspens avec Zidrou depuis, ça doit bien faire 5 ans maintenant, dont il existe quelques croquis, il y a même une page qui traîne quelque part qu'on peut trouver sur Internet, et qui serait plutôt basée sur le principe du pulp, c'est-à-dire un scénario un peu débile, avec beaucoup d'action, de la violence, du sexe, enfin bon, un pur divertissement. Quoi. Tout ce qui intéresse les gens de la franco-belge. Quoi. Exactement, dédicacé à la franco-belge, exactement. Ouais. Et donc, après ça, donc après tous ces projets, tu as encore quelque chose en tête après Zidrou Non, tu veux rien nous dire? Non, bah, pas particulièrement. Oh, il y a toujours des trucs qui traînent. Hein. Il y a un truc avec Tom qui a été commencé il y a plus de 20 ans. À quoi que je referais peut-être bien. C'est marrant, Tom m'en a reparlé dans un message il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il aura envie. Bah, s'il a envie, peut-être bien. Quoi. Donc on envoie un petit message à Tom en disant, Tom, il y a cette fameuse idée dont tu as parlé avec Eric. Et voilà. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, un jour, 3 petits points. Et bon, voilà. D'accord. Très drôle, très irrévérencieux, très bien. D'accord, très bien. Merci Eric. On a eu le tapis rouge, voilà. Alors un petit peu de Norvège de l'extérieur. Alors le soir, c'est bon. Ah, voilà les filles.
Salut, non, non, allô, non, 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 allô, 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 ça va, tout... Oh, hola, hola, hola. Bonjour, bonjour. Un petit bonjour, bonjour. Allez, attention, bonjour, un, bonjour. Deux, trois, bonjour. Bonjour. Ah oui, oui, tu veux dire quelque chose? Si. Oui, yeah, si. Non, oui, ouais. Toi, j'aime la France. J'aime la France. Ah bah, t'es bien la seule. Ok, thank you. Et voici Yann en pleine dédicace d'un Spirou Garou. D'un Spirou Garou, voilà. On ne voit plus rien, il fait tellement noir ici. Un Spirou Garou. Il y a presque un autoportrait. Bon ben voici la dernière journée dans ce beau pays de Norvège. C'est la dernière journée du festival. Alors je vais d'abord vous amener faire un petit tour au marché du poisson avant de retourner au festival. Arrivons à ce petit marché au poisson qui est en fait juste sur le port de Bergen. Là-bas nous avons les fjords. Alors beaucoup de gens prennent le bateau pour aller faire le tour des fjords et voir entre autres les baleines. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça sent le poisson. C'est incroyable. Voilà, voilà. Quelques petites crevettes, des homards. Alors, j'ai même vu quelque part des steaks de baleine. Alors, les steaks de baleine, c'est quand même assez extraordinaire. C'est vrai que c'est un steak de baleine, d'accord. Voilà, énormément de touristes. Voilà, alors, on va arriver là, vers les steaks de baleine. Alors, alors, ça parle pas vraiment norvégien. Voilà les fameux steaks de baleine. Ouais, spécial. Voilà. Hey, my friend. Hello. How are you? Hello, hello. Everything good? Salut. Bonjour. Hola, Raptus. Raptus, oui, oui. I'll see you later. Yeah, thank you. You come, eh? Yeah, of course. Okay, nice. Ah, ouais. C'est cool, hein? Pizza mix, alarm. Pizza mix. Voici maintenant la session de signature des posters du festival. Hello. Hello. You signed the poster of the festival? Yes, I do. Okay. Johan, it's your turn after that. Yes, I'm taking lessons. I hope I'll do as well as him. Okay. So, and I have my pen, so I think we have to go. Let's sign this poster. It's a good way to and the background looked very much like that. So you can talk about painting. Nous retrouvons maintenant à la conférence de Johan qui nous parle du prochain album de Spirou qui sortira début d'année prochaine. Bon, le son est un petit peu lointain, malheureusement, donc on n'entend pas trop ce qu'il dit. Mais il y a quelques images sympas, et notamment, comme vous pouvez le voir, quelques esquisses de son prochain album. This is what I call a panel breakdown. In cinema, we call that a storyboard. But it's not the same, because the cinema offers just one size of I do that for before going deeper in the more precise way. The same placement of the character is to change to give something dynamic to read. Like
a sense of movement. Yeah, a sense of movement. Yeah, that's right. Because otherwise, I think the river will get fed up. My pen and my ink, Indian ink, black, to ink the page. So it's very long process. I can't really say. I guess it's twice. Hello guys! 1, 2, 3, let's go! You are my senpai, my only senpai. Et c'est une très bonne façon de dire au revoir au Festival de Bergen, en musique, avec les personnes un peu bizarres, mais là, et évidemment, ils font plus mal sur mail. Allez, ouais, bye bye guys, thank you! You are welcome!